Bonjour, bonsoir mes petites nounouilles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du 100 Baby Challenge. Donc nous sommes arrivés à l'épisode 30, hein. On avance tout doucement mais on avance. Et dans cet épisode 30, on va suivre la troisième grossesse d'Aurore. J'ai réfléchi à quelque chose, je vais faire un test, je vais enlever l'alignement cosmique, donc le trait de caractère du terrain. Mais on va laisser la fertilité, de toute manière je ne peux pas l'enlever. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle a peut-être que des jumeaux, parce que c'est le trait spécial jumeau. Donc peut-être que si j'enlève le trait cosmique, mais que je laisse la fertilité tout seul, peut-être qu'elle aura plusieurs bébés, donc 3 ou 4 bébés maximum. Donc on va voir ça. Donc les Sims sont en train de se lancer. Donc là je tourne tranquillement, je suis en repos. Bon, juste un jour, donc là je suis en soirée, donc demain je suis en repos, donc j'en profite tranquillement. Et peut-être, je dis bien peut-être, je pense que c'est possible, que je vais commencer un nouveau concept sur la chaîne YouTube, donc Sims 4. Ça fait très très longtemps que j'avais déjà commencé. J'ai même fait un machinima, je crois que ça s'appelle. Je sais plus, ça fait longtemps. Et je pense pouvoir commencer cette nouvelle aventure avec vous. Donc voilà, les Sims sont lancés, on se retrouve tout de suite. Donc nous voici avec Aurore. Oui, bon, alors voilà le relooking au petit monstre. Donc lui, je lui ai laissé un petit pyjama en combinaison, donc en loup-garou. Je trouve ça trop cute. Les Sims qui peuvent guiser. Rose, elle a déjà eu son relooking également. Regardez-moi ça. Elle a les cheveux noirs. Ça change un petit peu des cheveux marrons. Et lui, il a les cheveux marrons, hein, bien sûr, mais elle a les cheveux noirs. On verra du coup. Sarah et Roy. Donc là, j'ai enlevé le trait de alignement cosmique et j'ai mis brise vivante à la place. Alors, j'avais dit que le prochain papa, ça, je m'en rappelle, il est où? C'était Vincent. Vous savez, celui qui nous fait accoucher? Non, pas mon fils, non. Il est où, Vincent? Il est mort. Mais il est mort comment? Eh ben, ça sera Jayden, comme j'avais dit, du coup. Ah, bébé 1 et 2 qui pleurent. Alors, madame, c'est la couche. Monsieur, c'est la couche également. Et, il va, et lui, j'ai vu qu'il voulait parler. Debout, madame. Alors, est-ce qu'il y a assez de choses pour les bambins? J'ai hâte, très très hâte, de pouvoir avoir le pack Vivre Ensemble. Donc je ne sais plus si j'en ai parlé sur ma précédente vidéo. Donc ça y est, hein, la bande-annonce est sortie. Je vous la mettrai en description si vous le souhaitez. Il risque d'avoir énormément de choses qui vont être ajoutées. Mais quand je dis énormément, c'est pas une bêtise, hein. C'est vraiment, il va y avoir beaucoup de choses. Une nouvelle tranche d'âge, par exemple. Les enfants pourront faire du vélo. On va pouvoir promener nos bébés, enfin nos nourrissons, je sais pas comment ils appellent ça. C'est ça que je l'ai mis comme pyjama? J'ai un doute. Je l'ai mis ça comme pyjama? Non, hein. Ils ont toujours pas corrigé ce bug. Par contre, j'espère qu'ils vont le corriger pour le nouveau pack, hein, parce que... Alors, rappelez-vous, à l'ancien épisode... pourquoi je... Ah oui, c'est moi qui l'ai mis là, le couffin. C'était en plus. Elle s'est disputée avec son grand amour, hein, avec Samuel. Alors, mon PC qui refait encore un boucan. Je suis désolée, j'ai nettoyé. J'avais acheté spécialement un tournevis pour pouvoir le démonter et le nettoyer de l'intérieur, sauf que ça ne marche pas. Je crois que les vis sont rouillées. Je ne sais pas trop comment les enlever. Sont coincées. Oh, ce petit pyjama. Oh, trop cute. Par contre, mangez, hein, je veux pas qu'on vous enlève, hein, je vous le dis. Hein. Donc elle a les yeux marron très 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 foncés. Hein. Ah, tiens, pour l'instant, tu peux danser si tu veux. Tant que maman l'arrive, pour qu'elle fait prendre ton bain. Oh, elle sait pareil, elle a mangé. Bah, elle va aller hocher la tête en rythme. J'ai pas voulu cliquer là. Alors aujourd'hui, on rencontre Jayden. Enfin, on rencontre. On va revoir Jayden, mais on va faire des bébés. Donc là, j'espère que tu auras plus de deux jumeaux. Non, parce que là, faut qu'on avance, hein, clairement. Hein. On va essayer de faire crac-crac plusieurs fois, peut-être. Bon, faut essayer des trucs, hein. Les Sims fertiles font plus facilement des enfants ou ont plus de chances d'avoir des jumeaux ou des triplés.
Fais-moi des triplés ou des quadruplés, s'il te plaît. Franchement, si je crois même qu'il y a un. Donc, il me semble qu'il y a un succès triplé et aussi un succès quadruplé. Ça, je l'ai vu quelque part. Ouais, veux prendre son bain. Tu pues de la coucouche. Félicitations pour l'arrivée de ce nouveau. Merci. On va mieux la voir, madame. Oh. Je la trouve trop kiki avec ses petites couettes. Ouais? Mais non, en fait! C'est pas grave. Oui, on va te donner un bain, tu vas voir. Il est tout propre. Et maman va s'occuper de sa deuxième. Et lui, je pense que ce qu'il va faire, ce petit bonhomme. Il peut pas encore jouer à ça. Hop, il va empiler. Qu'est-ce que t'en penses, mon grand? Voilà. Comme ça, on prend la deuxième. Oui. Ouais, du coup, c'est un décès du côté de la famille, de leur papa. C'est pas de mon côté. Oh, t'inquiète pas, ton divertissement, il va vite remonter, hein. Lui, il aime bien le vert, du coup. Allez, tout nu! Toi, tu vas aller te brosser les dents après. Tu vas te refaire une petite beauté. Est-ce que tu vas aller faire, toi? Bien, tu vas faire comme ton frère, tu vas empiler après. Et voilà, madame, elle est toute habillée. Oh, j'aime pas quand il bug comme ça, punaise. Bon, Jaden, j'espère que tu es frais et dispo. Regarde, elle se refait une beauté pour toi, là. Ah, il arrive, Jaden. As-tu payé tes factures? Parfait. Salut! Exprimer son admiration. Oh, il toque même plus, quoi. Ils se prennent même plus là, peut-être, les Sims. Oh, le câlin. Il avait une voix de fille? Est-ce qu'il avait une voix de fille? Oh non, je veux avoir un mec. Oh, punaise. On échange ses numéros de téléphone. Oh non, on perd le contrôle. Non, non, c'est bon, là. Ah, c'est dans la poche! Technique de drague. À nous, on perd pas de temps, hein. Enlacer. Demander si la personne est célibataire. Quoi, tu pars déjà? Eh, viens là! Embrasser. Non, envoyer un baiser, envoyer un baiser, envoyer un baiser. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Mais Jaden, pourquoi tu t'en vas? Tu préfères parler à ma plante poubelle? Déjà, je sais même pas qu'est-ce qu'elle fait là, cette plante poubelle. Je vais l'enlever après. Faut qu'elle tombe enceinte là. Premier baiser, premier baiser. C'est dans la poche, il est enjôleur. J'espère que t'es fertile. Hein. Maman, elle va arriver. Maman, elle fait elle tire un coup et elle revient. Ah, c'est le mot, hein. Joli! Très joli, ça j'aime bien, j'aime bien. Prendre une pose sexy, montrer la marchandise. Offrir une rose. Arrête de parler. Embrasser. Ah mais c'est dans la poche là, ça y est, hein, il est sous notre charme. Je vous l'ai dit, hein, Aurore, on peut. Non, tu vas pas lui demander le petit ami. Envoyer un baiser, ça y est, on peut aller faire un bébé. Essayez de faire un bébé avec Jaden. Alors si vous entendez des coups, c'est, je suis absolument désolée, c'est mon coloc d'à côté qui pète un câble. On a beau lui dire d'arrêter, il continue. Donc je suis désolée si vous l'entendez. J'ai un micro qui a tendance à tout entendre. Oh là, les deux bébés qui pleurent là. Mais tu te... Oh. Attends. Alors, avant, tu vas changer leur couche. Tu vas nourrir. Tu vas nourrir. Alors, Jaden, je te kiffe, hein. Je t'aime bien. Mais tu peux laisser Rose... Non, c'est pas Rose.
C'est Sarah. Laisse Sarah tranquille, je dois m'occuper de ma fille, s'il te plaît. Voilà. Et en plus, sa couche, elle est sale. Et voilà, t'es toute fraîche et dispose, ma pépette. Bon, là, maman, elle a des affaires d'adulte à faire, hein. Se sent mal fagotée, se sent humiliée après s'être regardée dans le miroir. Oh, mais non, t'es très belle. Tu tiens ta mère en brune, t'es jolie comme tout. T'es très belle, Aurore. Et tu m'as renversé ma poubelle. Mec. On va l'inviter, alors pendant les trois trimestres, on va l'inviter très souvent pour qu'ils font crac-crac. Moi, je vous le dis, moi, il me faut des triplés ou des quadruplés. Hein. Ça bouge pas, hein. Ouais, ça a pas l'air, hein. Vous faites quoi là-haut? En dessous. Ouh. Non, laisse. Tu vas laisser maman. Test de grossesse. Test de grossesse. Si je suis pas enceinte, je te préviens, si je suis pas enceinte, tu reviens. Oh non. Oui, c'est bon, elle est enceinte. Parfait. Maman, elle arrive. Allez, elle est tombée enceinte vers 18h. Donc, elle accouchera à 18h. Ou un petit peu après. Et la troisième grossesse est en route. J'espère qu'on aura des nouveaux bébés. Parce que là, c'est tous les mêmes, quoi. Ils ont tout le temps les mêmes vêtements. Ils se ressemblent. Ça fait peur, quoi. Et ce serait bien que sur les bébés, on apprenne déjà la couleur de leurs yeux, vous voyez. Là, ils ont tous les yeux marrons, c'est tristouné. Qu'est-ce qu'il y a, Kira? Je voulais répondre, mais c'est pas grave, excuse-moi. Tu prendras peut-être un petit bain pour te détendre après. Hop, il va manger. Parfait, vous mangez tous les deux, regardez. Ok, il va dans le fauteuil. On va prendre un petit bain. Pour se détendre. Et peut-être que dans le pack aussi, on aura peut-être des nouveaux trucs de trimestre. Allez savoir. On sait pas, hein, peut-être qu'ils réservent des surprises. Hein. Et ils sont partis dormir tous les deux. C'est parfait. J'ai pas mis pause, mais c'est pas grave. Hein. Vas-tu t'occuper de ton enfant? Tu vas pouvoir débarrasser ça. Tu vas nourrir les deux enfants. Non! Oh my goodness! Tu peux remonter. Deuxième. Elle n'avait pas faim. Madame, elle n'avait pas faim. Elle n'avait pas faim. Vas-y. Borde les deux. Parfait. Et tu peux aller dormir, ma belle. Récupère, c'est bien, t'as les trois barres. Ah, les crades de la maison. Oh, elle est bien, bien sale, là. Il y avait Caleb chez moi. Waouh. Regardez-moi cette lumière. C'est toujours la même avec la couche. Bah, eux, ils ont pas faim, hein. C'est parfait. Ils dorment tous les deux, bah c'est parfait. C'est sympa, hein, la petite peluche qui est là quand tu fais tes besoins. Oh, l'aspirer, c'est vache quand même. Je comprends, quand je me lève à 3h du matin pour aller faire pipi, je comprends ce que tu ressens, Aurore. Oh, les deux qui pleurent. C'est pareil. Ah, mais hop, tout la couche. Tu vas fanver les couches. Ouais, du coup, j'ai mis des interrupteurs, comme vous voyez, mais il n'y a pas d'interaction. Je trouve ça assez dommage. Je pensais que ça aurait été là, que voilà. Donc j'en ai mis un peu partout, histoire que ça fait un petit peu plus réel. Mais bon. Oh là là, une catastrophe. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Aurore? Dans le sens mutuel, je veux trois bébés ou une quête des bébés. Mais ça va être tellement compliqué, mais il faut qu'on avance, hein. Mais ça va être compliqué. Alors regardez, elle a déjà plus de divertissement, faudra appeler Jayden, hein. Jayden, tu es mon divertissement jusqu'à l'accouchement. Oh là là. Tu as passé l'aspirateur parce que c'est sale. Hop, on va sortir les plats pour nos enfants. Bah eux, hein, ce sera une petite salade, hein, pour le matin. Parfait, une maison nickel. Hop, tu peux vider la poubelle.
Tu vas vendre. Donc tu vas tout vendre. Tout arroser. Y a-t-il des insectes? Bah non. Parfait. Tu vas me la ramasser celle-là. Oh la blague. On se fait de l'argent. L'argent, l'argent dans les Sims. Bon, sinon, leur deuil, c'est dans combien de temps que ça se finit? Là, j'en ai marre. Oh là là, une maman, hein. Ton cracrac, ce sera au petit soir. Je te demande de ramasser une poubelle. Tu l'as ramassée? J'ai pas vu qu'elle l'a ramassée, l'animation. Enfin bref. Mais je vais craquer. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais t'es malade? Mais elle est dingue cette Sims! Elle est malade! Je sais pas pourquoi elle est montée, je sais pas. Allez, deuxième tentative. Ah, et la journée là-haut. Bah parfait, elle est propre. Jaden, tu viens avant que je dorme? Elle va arriver à rien du tout! Tais-toi! Elle a besoin de divertissement. Je veux qu'elle fasse crac-crac. Oui, bah ça va, oh! Mon... Mais qu'est-ce que tu veux? Mais non, mais... J'en ai marre. Ah putain, la catastrophe. Je sais plus gérer, j'en ai marre. Je vous sors une pizza, vous vous démerdez avec ça, je vous jure. Regardez. Prendre une part. Prendre une part. Ah, pi, 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 pi. Mais c'est quoi ce bug? Mais non, mais oh! Oui, ça va, j'ai compris, t'as couché sale. Mais elle a pas mangé? Je comprends rien. C'est qui est mort encore? Jaden! Mais je t'ai... Quand tu demandes de faire une assiette, ils le font pas. Quand tu demandes de pas la faire... Oh bon voilà, m'a refait un malaise. À côté du lit. Aurore, t'es trop forte. Là, je crois que c'est son pire accouchement. Enfin, sa pire grossesse, là. Y'a rien qui va. Jean, il est mort. Je l'ai nourri, il veut pas. Ah ouais, une réputation extraordinaire. Trop fort. Vas-y, tu vas pleurer, tu restes. Tu te fiches de moi. Mais tu te fiches de moi? Mais tu te fous de moi? Reste saine. Écoute, elle va les faire crac-crac un coup là, ça va lui faire du bien. Parce que la meuf, elle est tendue parce que elle peut rien faire. Viens, va prendre ta part, ma belle.
Voilà, un petit crac-crac, ça va faire du bien, là. Voilà, ça va te faire du bien, là, parce que là, niveau divertissement, elle est en bas. Hein. Non, mais... Putain, mais... Non, 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 non. Je vous jure, je vais craquer. Non, toi, tu te tais, t'es grande. Fais un câlin à tes enfants avant d'aller te recoucher, là. Enlacer. Allez, là. Il est quand là, Jayden? Ils veulent tout le temps parler, ces gosses. Oh, c'est quoi cette pile de vaisselle? Oh oh. Qui est mort? Oh! Son papa, il est mort. Aurore, ton papa, il est mort. Mon nom. Oh non, le bordel. Sarah vieillit. Et 1, 2, 3. Oh, elle sera indépendante, parfait. Une deuxième. Et Roy, il sera 1, 2, 3. Curieux. Pause, pause, pause. Ok, la tension, c'est bon. Putain, j'ai rien préparé. C'est l'épisode où je gère pas, en fait. C'est dingue, hein. Mais je gère absolument pas. Et l'accouchement? Oh non. Non, on approche déjà de la fin de l'épisode. C'était n'importe quoi, je le confirme. Je pense que cet épisode sera très court. Hein. Fais une sieste. Non! On a réveillé tout le monde! Maman va faire à manger. Ah là 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 là. Hop, de la carpe. Ah oui, tu tricotes sur les toilettes, toi, maintenant? Tu tricotes sur les toilettes. Alors, il y a ces couffins-là que j'aime beaucoup. Oh, le blanc, j'aime beaucoup. Hop, il y a celui-là. Le blanc, il est magnifique. Je vais mettre tout blanc, en fait, moi. Oh, allez. Allez, 3 pour porter bonheur. Ça va être beaucoup plus beau comme ça, des beaux couffins. Bon, ah non, je te jure. Oui, maman. Voilà, maman le fait à manger. Je sais pas, ce jeu... Parfois, j'aime bien y jouer, parfois, non. Ce jeu est en train de perdre du réalisme. Et... Du coup, les relooking de Sarah et Roy, vous les verrez pour l'épisode 31. Je sais plus si j'ai fait les allocations. Nope. Si je me trompe pas, on doit être à 5777. Voilà, ça c'est fait. Ça va, c'est bon, c'est à votre goût. Qu'est-ce que tu fais, petit cœur? Hop. Voilà, allez faire dodo tranquillement. Parfait. Ah, épisode de catastrophe, mais... Pire que sa mère, je crois, non? Ah, parce que là, je gérais plus rien. Je gérais plus rien. Et les bugs, en fait, ils m'horripilent. C'est dingue. C'est dingue.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé. Parfait. On essaiera de rappeler Jayden un petit coup. Oh, le pauvre nounours. Oh là là. Eux, ça va, ils ont du verre, mais les deux, là. Allez, sois en forme pour t'occuper de tes enfants. D'accord? Moi, je veux ma chance pour avoir des... plusieurs bébés. Même si je galère. Mais là, j'ai un doute. Je crois que j'aurai que deux bébés. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, c'est 8. Si j'en ai 3, je suis bien. Oh, t'inquiète, Jayden, il va te faire oublier tout ça. Hein, Jayden? On s'en fout. Et ce truc, j'espère qu'il sera enlevé pour la prochaine génération. J'en ai marre de l'avoir. Tu veux jouer avec? Vas-y, tu peux jouer. Regarde, tu peux te joindre à sa partie si tu veux. Regarde. Hop. Ouais, j'ai besoin de toi, là, Jayden, ça va pas. Mais c'est qui a encore peint? C'est elle. Mon amour! J'arrive, je vais... Mais... Ah, ça, non. Attends, tu vas te calmer avant, d'accord? Vas-y, ma belle. Vas-y, j'ai besoin de faire crac-crac, Jayden. Non, mais Jayden, s'il te plaît, je veux faire crac-crac. Je veux faire crac-crac avant, s'il te plaît. Je m'occupe pas de mes gosses et je pense qu'à faire crac-crac, je veux les tripler. Ah, bah voilà. Il tire à faire pipi. Merci, Jayden, c'était super. Ah, lui, il se prend en photo. Bah, il a bien raison. Viens, ma belle. Maman va te, prendre le bain, d'accord? Tu peux les occuper de mes enfants si tu veux, vas-y, hein, y a pas de souci. Moi, Jayden, je l'aime bien. Je l'aime bien. Regarde, maman va s'occuper de toi, elle va te laver les fesses. Voilà, est-ce que vous pouvez descendre? Tu veux allumer chanteur-compositeur. Hoche la tête. Hoche la tête. Et hoche la tête. Au revoir, Jayden. Hop, tu vas donner un bain à Kevin. Kevin. Mais toi, de l'attention. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont eu un décès, du coup, c'est chiant, ça. Hop, on va faire qu'il soit tout propre. Après, quand j'aurai des ados, ce sera cool, mais je suis pas prête d'en avoir. Est-ce que aussi dans le nouveau pack, est-ce que les enfants pourraient nous aider à nous occuper des enfants aussi? Ce serait cool. Hop, si vous avez faim, je vous mets du poisson. Hop, juste là. Tiens, tu peux manger, ma belle. Hop, tu vas donner un bain à Sarah, maintenant. Il y a quelqu'un qui pose des trucs. Ouais, tu devrais te lancer. Parfait. Yo, petit prince. Viens. C'est bien, je m'occupe des bambins, c'est cool. Ils sont beaux, mes enfants. Hein. Du coup, j'ai eu deux... Elle a les cheveux noirs aussi? Apparemment, ou alors elle a les cheveux marron foncé. Sarah? Je pourrais pas dire. Ça va, ils sont cotents. Non, reste là, reste là. Hein. T'inquiète pas, ça va être ton tour, regarde. Elle est partie où, elle? Mais elle fait quoi? Mais je vais... N'importe quoi, elle. T'inquiète pas, maman arrive, hein. Vas-y, mange. C'est bien, comme ça, ils sont tous propres. Ouais, pour le sens, son accouchement, ça va. Hein. Oh, j'ai eu peur. Ça a commencé catastrophiquement, ça va se terminer bien, vous inquiétez pas. Sauf si j'ai de mauvaises nouvelles. Alors là, je vais craquer. Alors, tu vas aller faire pipi comme une championne. Tu
Tu vas laisser tes enfants, là. Voilà. Ah. Et tu vas leur servir à manger parce qu'ils ont tous faim, tes loulous. Allez, tu vas faire du bar. Et tu laisses cette maison plus tranquille. Oui, ne vous inquiétez pas, je vais le nourrir, mon fils. Oh, du coup, elle a mangé, elle. Parfait. Oui, je vais les nourrir, mes enfants. Mon petit cœur. Il faut savoir que quand moi je vois déjà un bébé, je suis en mode love. Comment vous pouvez pas aimer un bébé? C'est comme un chaton ou même un chat. Comment vous pouvez pas? Oui, je sais, je vais les nourrir, ça va. Regardez, elle va coucher, ça y est. À 18h, c'est même... c'était ça. Hein. Je vais les faire manger avant. Et elle aussi, hein, moi. Oui, je sais, ma belle. Vas-y, prends une portion. Allez, mangez vite. Un. Deux. Et trois. Parfait. Ça va, tu te régales? Elle a l'air trop cute. Maman, elle va accoucher. Vas-y, mange tranquille. Mange ton bar grillé et après on va t'accoucher. D'accord, ma belle? Et là, cette fois-ci, je veux que Jayden soit là. C'est bon. Alors, elle finit son bar et on y va. Ça va intérêt de me faire des triplés. Je vais craquer le jeu. Oui, tu vas coucher, tu vas coucher. On y va. Voilà, ils sont tous partis à la garderie, ça c'est bien. Jayden, tu viens avec moi? Reste. Il arrive. Non. Oh le chien. Non. Mais comment ça? Pourquoi il s'est sauvé? Jayden! Punaise. Vas-y, appelle-le. Bon, bah tant pis. Ça va, les aurores. C'est pas ton premier? Oh, tu fais chier? C'est Vincent. Et si j'essaie de faire un bébé avec un fantôme? Allez, c'est parti. Et c'est là que j'ai un bébé. Oh la déception. Super, il n'y a pas d'animation, c'est génial. Super! Merci le jeu qui n'a pas d'animation. Merci de faire vivre une expérience super sur moi. Enfin, sur le jeu, excusez-moi. C'est super de vivre une expérience. J'adore. Autant, je kiffais quand les deux se battaient pour rien. Oh oh, c'est parti. Je sens que je vais être déçue. Alors, nous avons un garçon. Je regarde les prénoms disponibles. C'est parti pour Hugo. Est-ce qu'il est venu seul? Mais c'est quoi ça? Mais quoi? Mais un bébé! Non, là, je suis déçue, là. Un bébé. Merci. Et t'es contente? Un bébé. Je suis déçue. Et là, tu peux rester. Normal. Je peux faire crac crac. Eh! Bon bah. Je le sentais venir que j'aurais été déçue, mais pas à ce point-là. Donc ça fait que la prochaine grossesse, elle aura deux bébés maximum si jamais elle en a plusieurs. Je suis déçue. Je suis déçue. 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 Un bébé et un garçon. Hugo. Bon bah.
Bienvenue à Hugo dans la famille. J'ai préparé trois couffins pour qu'on me porte chance. J'ai enlevé le truc alignement cosmique parce que pour moi ça faisait que des jumeaux. Parce que la fertilité c'est écrit que c'était des triplés ou machin. Et là, c'est bien ce que je dis, un épisode catastrophique. Je suis déçue. Bon, au moins elle galérera pas avec son bébé. Hein mon grand? Oh, il est dans le berceau des loups-garous. Tiens, va le serrer dans tes bras. Ah, du coup, c'est en pleine forme. Oh, non. Philippe, il est mort. Mais tous mes concurrents sont en train de mourir. Le prochain papa, on va faire François. Ah non, il y a encore Marc. Ok, d'accord le jeu, d'accord, j'ai compris. Super. Vous pouvez aller dormir mes amours. Bon, le prochain épisode c'est quoi qu'on regarde un petit peu? Alors, le prochain épisode... Ah, j'ai mes deux premiers enfants qui deviennent enfants. Donc, jeune enfant. Ça c'est très bien. Et j'ai Hugo qui devient bambin, donc il deviendra bambin ici. Donc le prochain épisode, il y aura un anniversaire de prévu. Super! Oh, j'ai mis un! Non mais le jeu! Allô? Le jeu était resté coincé, vous avez été témoin. Hop, tu vas passer l'aspirateur. Tu vas nettoyer. Oh, fais une sieste, fais une sieste, fais une sieste. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Pleure pas, pleure pas. Ben ouais, mais je veux te lire une histoire, ça veut pas alors aussi. Oh là là, le tas de poussière. Tu pleures pas, tu fais une sieste. Oh putain. Elle a réveillé tout le monde, cette saloperie. Elle a réveillé tout le monde. T'as fait une... Oh, t'as fait un cauchemar toi aussi, t'as réveillé tout le monde quoi. Ouais, mais le truc pour lire les histoires, il marche pas alors je peux pas faire grand chose, hein. Vas-y, dors mon grand. Voilà. Non! Voilà, on va y arriver. Donc on va se laisser ici, hein, 7h30 du matin, Sims. Ouais, de mieux en mieux. C'était l'épisode le plus catastrophique de ma vie. Vraiment. Donc hein, Hugo... vous dis à la prochaine avec sa petite couche sale. Je pense que dans l'épisode 31, sa couche sera changée et ils seront tous dans le vert et les deux là seront reluqués. Donc, que dire sur cet épisode? Je suis très 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 déçue d'avoir eu qu'un seul bébé. Donc, on est à 16 sur 100 bébés. On n'avance pas. Va falloir que je trouve des solutions pour pouvoir avancer. Je ne veux pas tricher, mais au bout d'un moment, je vais pas avoir le choix de modifier, peut-être dans les grossesses, j'en sais rien, mais j'avance pas, ça m'énerve. J'espère que la prochaine maman sera beaucoup plus fertile, hein, quand même. Mais je pense qu'il existe des astuces pour avoir des triplés, des quadruplés. Je vais faire mes recherches de mon côté. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu quand même. Hein. Bon, il n'y a plus quand même, c'est juste que j'étais en train de littéralement... de faire du yoga sur ma chaise. Au bout d'un moment, j'étais littéralement comme ça, en train de faire des exercices de respiration. J'étais en train de péter un câble. J'en ai marre de ce jeu. Pourquoi je m'inflige ça? J'en sais rien. Peut-être. J'aime les Sims, je sais pas. Et j'ai un petit peu peur que le prochain pack fasse encore pire que ça en termes de bugs et je sais pas. Je ne sais pas vous. J'ai hâte et pas hâte, mais bon. Voilà quoi. Donc... je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, mes amours. Bisous, mes petites nounouilles. Je vous aime.